Bonjour à tous et à toutes, je suis Relus et bienvenue dans la suite de Breath of Fire. La dernière fois, qui remonte quand même un petit moment, j'étais parti pour notamment rechercher plein d'objets qui m'étaient impossible de prendre avec Hawks, qui peut casser des cailloux. J'ai récupéré donc le boomerang, sauf que pour le réparer il fallait Gant, mais sauf que Gant, ils étaient tous emprisonnés, du coup il fallait libérer dans une espèce de prison, et j'ai pu avoir mon superbe, et pas n'importe lequel. Ah, ça commence bien, c'est la mallette. Heureusement. Voilà, bon, on va devoir jouer avec la mallette pour cet épisode, très bien. Et donc, il est où? Voilà, mon boomerang. Qui me rajoute juste... Il y a juste deux d'attaques entre mon épée, un ennemi, et celle... ce boomerang qui me rajoute... qui me permet d'attaquer tout le monde. Et donc, je sais pas quoi faire, à part parler à tout le monde, vu que je les ai libérés. Parce que là quand même j'ai un peu, je ne sais pas ce qu'en fait là, je ne sais pas quoi faire, je suis paumé. Mais genre, comme il faut. Je ne sais pas quoi faire. Ce qui est trop bien. Peut-être que certains ont des trucs à me dire. Oui, non, ah, toi peut-être. Ah, tiens. Oui. Oui, d'accord. Nabal, traité ouvrier. Ok. C'est où Nabal? C'est bien de me dire va sauver des gens qui sont là-bas. On va faire un truc là-bas. Mais si je sais pas où c'est, ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Alors. Faut déjà que je me repère sur la carte parce que je sais pas d'où que je suis et je ne sais pas où est Nabal. Putain, j'ai sauvé tout le monde et il n'y a personne dans les maisons. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Moi je suis déçu. Bon, essayons de se repérer sur la carte. C'est pas la bonne carte. C'est la touche tarte, évidemment. Alors, je suis ici donc à Gant. Et ouais, donc Nabal, je sais pas où c'est. Alors, quand même zoomer. Peut-être que à moins que ce soit l'espèce de fort qui se trouve juste là. Ce qui serait un peu bête vu que j'y suis déjà allé. Admettons que ce soit ça, on part là-dessus. Par là-bas. Non, bah faut que je fasse un détour. Faire un grand tour. Ça c'est du petit monstre, hein, facile. C'est pas super super dur pour le moment, mais il faut que je fasse tout le tour. Je pense que le plus dur en fait dans le jeu c'est de se repérer. Je l'ai sans doute déjà dit plein de fois, mais se repérer c'est pas facile. C'est pas easy. Ah, et pour ceux qui se demandent, juste à côté de moi, j'ai une carte du jeu pour me repérer. Parce que c'est plus facile. Parce que le jeu, il est quand même assez vieux. Il y a des cartes disponibles. J'en profite un peu. Putain, 261 du boomerang. Oh, ce boomerang est tellement OP. Alors,
Ah oui, il faut que je traverse. Oui, faut que je traverse ça. Et donc, je dois aller plus à l'ouest. Oh, level up, cool. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc ça c'est je ne sais plus le nom de la ville. Voilà, et donc je suis normalement voilà de l'autre côté. Et si je me trompe pas, alors, attendez, j'essaie de me repérer juste en dessous. Il doit y avoir une zone que je peux traverser. Une zone qui doit être juste au sud. C'est quoi ça? C'est des chimères? Ah oui, c'est vrai, c'est des chimères un peu laid. Qui sont plus rapides que moi et je contre. Oh, par contre grosse défense. Écoutez, je bourre hein. La viande, elle était devant moi. Elle était devant moi. C'était une viande gratuite. Choqué. Déçu. Ah oui. Donc là, il faudrait que je repasse par le fort. Normalement, je peux repasser par le fort. Et je pense même avoir. Ah non. Je peux pas l'ouvrir normalement. Non. Avec. Non, faut que je refasse tout le merdier là. Oh, c'est chiant. C'est chiant. Écoutez. Je tiens à vous le dire. À moins qu'il y a un endroit que j'avais pas fait. Ah, sans doute. Sans doute qu'il y a un endroit que j'aurais pas fait. Bon. Mettons que... Ah mais non, mais j'étais reparti directement. Oui, donc c'est ça. Faut que je traverse. C'était ça. J'ai dû oublier d'aller juste au-dessus. Parce que je suis trop bête. Par contre, je suis en train de prendre la misère de ma vie. Ah, Ox 17, pas mal. On avance, on avance. Alors. Fallait aller au-dessus. Faudrait peut-être que je me soigne aussi. Ouais. Raté. Lol, j'adore ces combats. C'est ma faute, écoutez. C'est moi, je me suis complètement foiré. Donc là tout sur... En fait c'était plus le lancier qu'il fallait que je vise. C'est une mauvaise strat. Je suis en train de faire n'importe quoi. Mais vraiment. Et j'en ai honte. Sachez que j'ai honte de faire de telles choses. Ouais bon d'accord, c'est vrai que toi t'es une bite. Voilà, lui il est mort. Lui il décède, il va bientôt décéder et ils vont bientôt décéder en fait. Voilà.
Ouais, après je soigne tout le monde par contre. Donc, soin. On va y arriver, on va y arriver, ne vous en faites pas. Je vais réussir à me repérer dans le jeu. Donc, on monte les escaliers, et après c'était tout en haut. Voilà, à partir de celui-là, c'était tout. Non, à droite. C'était tout en haut, ça c'est sûr. Ça, je peux pas me tromper, c'était tout en haut. Ce serait bête que je me trompe. Voilà, petite critique. Et un décès de patois déjà, j'aimerais pas. Voilà. Voilà, Nina 19. En plus, tout le monde up, inactif. Oh, bah, petit sort. Petit sort sympathique. Et c'était pas ici, c'était juste là. Voilà. Je me repère extrêmement bien, je tiens à le dire. Par contre, Nina, elle se fait défoncer sévèrement. C'est un petit peu énervant. Hein, je tiens à le préciser. Donc, déjà la soigner. Quand ça se fait qu'elle a que 108, 118 de PV. Oh oui, j'aime ça. Donc, toi ici, toi, lui. Ah, tous sur le fantassin. Ça fera un ennemi qui sera mort sûr. Voilà, puis après les archers, c'est une question de tour. Alors, en plus, ils visent les mauvais. Je rappelle que si le. Je le rappelle à chaque fois. La musique et les bruitages, si ça rame, c'est à cause du jeu ou de l'émulateur. Oui, je respecte pas les jeux, je les achète pas. Ouais, enfin, si, mais que sur un support en particulier. Donc, c'était là que je les avais libérés. Et moi, j'avais fait ça. Et après, c'était. Voilà. Et après, j'avais vu ça et j'étais reparti. Et donc. Voilà, c'était ça. C'était ici que je devais aller. C'est donc ça que j'ai fait n'importe quoi. Donc là, ouais. Oh, il y a des piafs. Il y a plein de piafs et il y a un monsieur. Il sera trop dangereux d'attaquer le château et aller chercher de l'aide. Pardon, excuse-moi. Et ça fait quoi si je lui parle? Ok. Ouais. Je sais pas ce que c'est. Bah écoute. Bon. Je sais pas s'il y a un truc à faire avec. Peut-être toi, non? Ouais, j'ai quand même y aller quand même. À moins que. Et ça, ce serait plus de leur part qu'il fallait que je parle à un personnage en particulier ici et que je revienne les voir. Je suis sûr c'est ça, mais tellement fort. Je sens des kilomètres. Laissez-moi réfléchir une seconde. Bon, ok, alors là, je vous avoue que j'ai dû utiliser une solution. Hein, je vous le dis. En face, on va pas se mentir, j'ai dû utiliser une solution et il semblerait que il faut
que j'aille chercher une arme qui est dans un endroit caché du jeu. Enfin, qui est pas dans un endroit caché, mais qu'il est dans un spot que tu ne sais pas, évidemment, si tu ne sais pas où ça se trouve. Et en fait, ce spot, il est juste caché. Bah, je vais vous montrer. De toute façon, ça va être simple. Je vais couper la partie où il faudra revenir ici. Il faut juste que je me téléporte déjà. Alors, inactif, ça fait quoi? Ralenti l'ennemi. Ouais. Que je retourne à Gant. Je l'aime bien ce jeu quand même, mais c'est sûr que là, vu que c'était sorti en premier sur Super NES et que le portage a été fait presque tel quel, si ce n'est tel quel, sur Advance, ils auraient quand même pu Nintendo of America lorsqu'ils ont fait tout leur ressortie. Ils auraient pu un petit peu changer de manière à ce que ce soit plus simple à comprendre. Voilà, alors attendez, j'en ai marre des combats aussi qui pop tout le temps. C'est un peu énervant. Ah, je voulais essayer de le choper celui-là. Je sais pas, je me suis dit que j'allais m'amuser. Critique 600. Parfait. Donc voilà, il fallait aller juste à côté, longer ici, longer la rive. Voilà. Et la zone était juste à droite. Hein, la petite zone un peu chiante. Voilà, elle était ici. Ce petit carré de merde. C'était ça où je devais aller. Voilà. Il y en a plein des petits trucs comme ça. Mais bon, je la flemme. Donc vous avez un boomerang, hein, mon Dieu! C'est vrai, voici le vrai boomerang là. Donc il tourne 2, 3, 4, 5, 6 fois sur lui-même. Le triste vol est un oiseau très doux tant qu'on ne cherche pas. Vous voyez, c'est dans ce cas, il pourrait. Vous pourrez. Quoi? Pardon? Oui. Oui, alors quoi? Oui, donc je crois qu'il manquait un mot. Est-ce que imagine, est-ce que j'ai gagné une arme? Enfin, c'est. J'avoue ne pas avoir bien compris. J'avoue ne pas avoir bien compris ce qui vient de se passer. Je vous avoue, je n'ai pas bien compris ce qui s'est passé dans ma vie. Mais admettons que j'ai compris. Admettons que j'ai compris. Du coup. Si j'ai bien suivi, cette discussion-là a permis un événement quelque part. Je crois savoir où c'est. Du coup, l'ATP, et puis on se retrouve juste devant les oiseaux. A tout de suite. Voilà, je suis sorti, je suis devant. Et attention, le scénario agit.
Le scénario a agi, il y a un œuf désormais. Incroyable, le scénario agit. Brûle, c'est un sort. C'est un sort en 75. Oh, ça pue. Ouh, comment tu pues, toi? Oh, t'as l'air de puer. Il a pas un sort. Ah oui, non. Bon, bah, attaque. Moi, je vais me changer en dragon, tiens. Un dragon de flamme. Toi, tu attaques. Et toi, tu fais rien, écoute. Non, mais c'est un petit monstre, ça. Bon, enfin, petit... je pense... Ah, il est en colère! Mince alors! Oh, puis sur le mauvais. 115. Oh, ça va encore. Donc ça, c'est un petit boss. C'est un boss en scénario. Je l'ai reconnu. Ah, par contre, Nina... ah, 75 fixes avec brûle. Oh, les sorts, ils sont toujours fixes, j'ai l'impression. Oh, par contre, doublé, là, avec le petit 230. Et le truc est mort. Et plein d'XP. Oui. Bon. Messieurs, bonjour. Pardon. Oui. Alors, non. Alors, mais messieurs, s'il vous plaît, je tiens à vous dire que ce n'est pas très gentil de votre part. Voilà. Je vais prendre l'œuf. Attention. Voilà. Non. Voilà. Voilà. Ah, d'accord. Non. Oh, c'est vrai, ils me suivent. Oh, ils veulent que je leur rende leur œuf. Oh, tu l'auras pas. Mais en fait, il me sert à quoi cet œuf, concrètement? Concrètement, à quoi me sert cet œuf? Ouais. Ah, les objets vitaux. Branchis, d'accord, carte, fivre. Bon, bah. Il est dans mon inventaire méta. On va dire ça comme ça. Il est donc dans mon. Ah, mais je peux les combattre à l'infini. D'accord. Bah, admettons. Admettons. Sauf que, le admettons. Est-ce que je continue ou est-ce que je vous laisse là? Parce que franchement... Je vais quand même voir ce que ça fait si je sors. Ah, j'en ai un qui me suit. Oh, on dirait un chocobon. Oh, on dirait... C'est un chocobo. Voilà. Tiens, regardez. Magnifique. Attendez. Regardez, un chocobo. Oh, il est beau ce chocobo. Bon, bah, ce sera un petit épisode d'une bonne vingtaine de minutes, écoutez, parce que je sais que Breath of Fire et les RPG en général, c'est pas super bien vu sur YouTube, mais bon, moi, ça me plaît. Bref, merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, en espérant qu'il vous ait plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tout ce qui est like, le commentaire, tu peux regarder la chaîne, tu peux t'abonner si le contenu il te plaît, tu peux me suivre sur le Twitter, tu peux faire ce que tu veux. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine sur Breath of Fire.